Disclaimer, si t'aimes pas voir des gens manger et parler en même temps, ou si t'aimes pas voir les gens manger, ou si t'aimes pas les bruits quand les gens mangent, pars. T'es pas obligé de regarder cette vidéo, t'es vraiment pas obligé en fait. Et t'es pas obligé de commenter non plus. Donc laissez-moi genieter, genre enjoy my food. And don't come for me, please, I beg. YSL clutch bag, boss niggas love that my weave real long. Do my squats for that ass fat. Love my attitude, so he call me Lil Brat. Brat, he love me long time, cause it's cash, yeah, I match that. Never took an L, lesson learned, and I bounce back. Tripping off a nigga, man, for what? I just fall back. I don't have the time to be gifted. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir sur le titre, aujourd'hui je vais faire un mukbang. C'est la première fois que je fais un mukbang, vous savez que là il n'y a rien à faire. Je me dis pourquoi pas vous faire un mukbang, en plus j'ai envie de le faire depuis longtemps. Donc voilà, aujourd'hui ce qu'on va manger c'est du Domino's. Oui oui on, parce que comment ça tu regardes un mukbang et tu manges pas en fait, genre, that's fucking weird. Donc je mange du Domino's et pour que je m'en ai pas trop, j'ai pris des questions sur un thread sur Twitter. Pour que je réponds un peu, pour que voilà, qu'on s'ennuie pas trop. Donc ce que j'ai commandé chez Domino's. This is beauty right here, this is beauty. What you talking about, this is beauty. Et ils ont pas coupé. Ils ont pas coupé mon pizza, wesh, bref. So j'ai commandé pizza cannibale large, because I'm hungry. Et cannibale c'est le meilleur pizza de Domino's, je sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas c'est comme ça. Donc voilà, là j'ai fait un thumbnail. J'ai enlevé ça. Je vais faire un thumbnail et puis on peut commencer à manger. Voilà, là je vais d'abord couper ma pizza et puis je reviens. Je vais faire avec un ciseau, je sais pas vous, mais moi je coupe mes pizzas avec un ciseau. Puis on revient. J'aime pas pourquoi. Pourquoi ils coupent pas leur pizza? Enfin, c'est leur taf quoi. Je prends mon wet cup et je prends du coca. Je suis pas trop une meuf qui aime le coca, mais de temps en temps j'aime bien boire du coca. Cheers. No, cheers to my first mukbang. Period. Je voulais grave que mon premier mukbang ça soit sur du McDo ou Quick, mais il y en a pas. Alors à ce moment, vu que c'est la quarantaine, il y avait que des trucs de pizza. Donc je me dis pourquoi pas faire premier mukbang pizza. Let me get a sip because I'm thirsty. Disclaimer, si t'aimes pas voir des gens manger et parler en même temps, ou si t'aimes pas voir les gens manger, ou si t'aimes pas les bruits quand les gens mangent, pars. T'es pas obligé de regarder cette vidéo, t'es vraiment pas obligé en fait. Et t'es pas obligé de commenter non plus. Donc laissez-moi genieter, genre enjoy my food. And don't come for me, please, I beg. Comme je vous ai dit, j'ai pris des questions sur un thread sur Twitter pour que je m'ennuie pas. Et first of all, let me take my first bite, please. C'est quoi votre pizza favori de Domino's? Dites en commentaire. Ok. J'ai tout écrit ici. Ok. Tu fais quoi si le pot de ton mec te plaît? C'est pas les questions qu'on m'a posées, j'ai lu sur un tweet sur Twitter, donc voilà. Perso, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre, genre comment ça le pote à ton mec te plaît. Mais si c'est le cas, bah tu dis à ton mec et tu le quittes dans ce cas. Mais c'est vraiment bizarre que tu sors avec le pote de ton ex. Oh, le pote de ton ex-mec en fait, genre. Il y en a qui font ça genre. La série qui t'a le plus marqué. Wait. La série qui m'a le plus marqué, When They See Us. J'ai pleuré. When They See Us, c'est une série sur Netflix. En fait, c'est basé sur une histoire vraie. Donc, c'était 5 garçons, petits garçons de mon âge, non, même pas mon âge, des petits garçons à 14 à 16 ans qui ont été en prison pendant 10 ans, max, de leur vie, de leur jeunesse, pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Et genre, j'ai vraiment pleuré parce que, waouh. Waouh! Wow. Ouais, ça m'a vraiment traumatisé en réalité parce que voilà. Aussi, mangez vos croûtes, wesh. Il y en a, ils mangent pas leurs croûtes. Bon, les gamins. Ton meilleur fruit. Mon meilleur fruit, c'est la mangue.
les pastèques. J'aime trop la mangue. Genre moi je suis quelqu'un, genre moi j'ai du mal à manger des fruits parce qu'il n'y a pas beaucoup de fruits que j'aime bien. Il y a que vraiment la mangue, fraise, pastèque, c'est tout en fait. Le reste, enfin j'aime pas trop, c'est pas trop, j'aime pas trop les fruits. Je préfère les légumes que les fruits, c'est bizarre mais oui c'est comme ça. Tu restes environ combien de temps dehors? Je peux pas sortir. Même si je sors, c'est rare que je passe toute la journée dehors en tout cas. C'est vraiment rare. Moi je sais pas comment ils font hein. Tu pars et tu manges en même temps genre. C'est trop bon. Tu veux combien d'enfants plus tard? Je sais pas si j'ai déjà dit ça sur ma chaîne mais maximum 3, minimum 2. Pas plus que 3 en tout cas. Pas plus que 3. 3 c'est beaucoup. Hein. Non, 4 c'est beaucoup. Par exemple, à la maison, j'ai 4 enfants. C'est vraiment beaucoup. Fille ou garçon en premier? Je disais toujours que je voulais un garçon en premier pour qu'il protège sa soeur. Et c'est toujours le cas. Mais j'aimerais bien avoir une mini-mi en fait. Genre une petite fille et tout, que je peux habiller à ma manière. Je dirais un garçon en premier pour qu'il protège sa soeur et tout. Mais ça ne me dérangerait pas si j'ai une fille en premier. Le film qui t'a fait pleurer? Regardez juste, attends, j'ai pas montré. Trop bon. Y'a pas de film qui m'a fait pleurer en vérité. Je suis quelqu'un, j'ai du mal à pleurer donc. J'ai la série que je vous ai dit tout à l'heure, One Day See Us, mais. Aimerais-tu être célèbre? Il y a deux sortes de célèbres. Il y a célèbre, par exemple. Rihanna, Beyoncé, ça par contre je pourrais pas. Il y a célèbre, les influenceuses et tout. Célèbre influenceuse, ça va. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'inconvénients en fait avec ça. Les gens ils vont savoir ta vie, où t'habites et tout ça. Genre c'est vraiment no joke en fait. Quand tu veux être influenceuse, moi je me considère pas influenceuse, j'aime pas ce mot. Moi je me considère juste youtubeuse ou quelqu'un qui fait des photos sur Insta. Bref. Faut savoir que si. À un moment, tu as beaucoup d'abonnés et tous les gens ils vont commencer à savoir, enfin, vont commencer à s'intéresser à ta vie, quoi. Ils vont. Voilà, quoi, c'est la vie, c'est normal. Donc, je dirais pas célèbre, mais juste connu, quoi, pour mon travail. Mais pas pour. Voilà, quoi. Dites-moi si vous aimeriez bien être célèbre. Moi, perso, ça dépend. Je suis quelqu'un de très, très privé. Et. J'aimerais pas que les gens sachent trop ma vie, en fait. Le sport que t'aimes pas. Il y en a beaucoup hein. Mais genre à l'école quand j'aime pas courir. J'aime pas courir à l'école. Parce que en Belgique, enfin chez les Flamands, au début de l'année, septembre et tout, genre on court pendant un mois et tout, genre full et tout. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais. Bref. Et j'aime pas courir. C'est tout je crois. Combien de notes sur 10 sur ta beauté? Genre combien que je note sur 10? 8,5, 9. Yeah. Je peux jamais être 10 sur 10 en fait parce que nous tous on a des petits. Comment dire ça? On a des petits complexes. Donc je dirais pas 10 sur 10, je dirais plutôt 8,5, 9 comme ça. Parfois 7, parce que parfois je suis pas moche. Donc là. Si tu serais un animal, quel animal serais-tu? Lion. Comme d'aller à leader. Moi, leader ou rien en fait. Je suis désolée. Et je crois que c'est parce que je suis bélier. Donc Aries, on aime bien être leader. Donc voilà. Mon dessert préféré, c'est tiramisu.
Et vous savez, le truc, c'est quoi? C'est que jamais je m'en fais un tiramisu dans ma vie. Et l'autre fois, j'ai voulu faire un tiramisu et tout. Vous savez, j'ai fait quoi? J'ai fait moi une flemme. Je partage ces tiramisu déjà fait en fait. C'est quoi votre boisson préférée? Moi, en tout cas, c'est du iced tea, mais j'en ai pas à la maison. Quelle est ta nationalité et quelle est ton origine? Nationalité hollandaise, parce que je suis née à Rotterdam. Si vous aussi vous êtes né en Hollande, dites-moi en commentaire, mais je crois pas qu'il y en a beaucoup. Et je suis d'origine Commonwealth, Zaza, 243. Moi, il y en a beaucoup en fait, que tu peux. Et je suis Mulumba et Mukongo. Si vous aussi vous êtes ou soit Mulumba ou soit Mukongo, dites-moi en commentaire. Parce que c'est la famille. Que ferais-tu avec 1 million? Ça serait une grande maison. Mais en tout cas, moi je me dis, avec beaucoup d'argent, t'es obligé d'acheter une maison. Et acheter une maison, c'est vraiment important, je trouve. Avoir un certain âge, ils vont m'acheter une maison. Donc avec 1 million, on achète une maison. En plus, en Belgique, si t'as acheté une maison avec 1 million, ça veut dire que t'as vraiment une grosse villa. Hein. Quelles sont les origines que tu pourrais sortir avec? Congolais. Et du coup, moi j'ai vraiment à finir ma vérité en congolais. Mais voilà, congolais. Je sais pas, un congolais, je sais pas ça sera quoi, mais de préférence, je préfère un congolais. L'âge idéal pour se marier. Il n'y a pas d'âge idéal. Faut que tu sois prêt déjà. Faut que tu aies un mec. Et moi, en tout cas, je sais pas, parce que j'ai 18 ans, je sais pas c'est quoi marier et tout. Donc, tu peux pas. Enfin, j'ai compris en général. Tu peux pas planifier ta vie en fait. Genre, moi, je suis quelqu'un quand j'étais petite, depuis que je suis petite. Pour moi, c'est à cet âge, je fais ça, à cet âge, je fais ça, à cet âge, je fais ça. Et genre, j'ai compris que je peux pas planifier ma vie en fait. C'est Dieu qui planifie ma vie. Donc voilà. Voilà quoi, avant, je disais que à 18 ans, j'ai envie d'avoir ça et tout ça. Alors que 18 ans, girl, Miss Rona is killing her plans. Donc voilà, j'ai vraiment compris ça. Si vous êtes quelqu'un qui est comme moi, qui aime bien planifier sa vie, arrête parce que tu seras dans la mer pour rien. Et voilà quoi. J'aimerais bien me marier avant 25 ans. Si tu le veux. Si c'est pas le cas, bah. Je peux pas mourir non plus. Hein. Tes parents parlent quelle langue? Attends, je mange un peu parce que je parle beaucoup là. Mon pizza devient froide. Disons c'est comme ça, les mukbangs deviennent froids comme ça. Ma mère est pas néerlandais. Lingala. Un peu de français. Enfin, elle a appris français à Bruxelles, parce qu'avant, on n'habitait pas à Bruxelles. Et mon père, il parle. Lingala, Swahili, Chiluba, néerlandais, français. Et un peu d'anglais quand même. Et moi, je parle anglais. Français, néerlandais et j'ai un lingala aussi. Métier de mes rêves quand j'étais petite. Métier de mes rêves c'était d'abord c'était actrice, chanteuse. Vous savez les trucs de Disney à l'ancienne là. C'était grave des trucs d'actrice et tout. Et maintenant c'est ouais, j'aimerais bien être une businesswoman en fait. Businesswoman ou rien. J'aimerais pas travailler pour quelqu'un en tout cas, c'est pas c'est sûr. J'aimerais vraiment pas travailler pour quelqu'un. Vous, c'est quoi votre dream job? Regardez. Les gens, désolé, c'est mon premier mukbang, ok? S'il n'est pas bien comme les autres là, par exemple. Tu penses que l'argent fait le bonheur? Oui. J'ai oui parce que avec l'argent, tu peux t'acheter des trucs qui te manquent. Avec les trucs qui te manquent, je veux dire des trucs matérialistes. Après, il y en a, ils sont riches. Ils ont des millions, des millions, des millions dans leur compte bancaire. Mais ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas d'enfants. Et ça fait qu'ils ne sont pas heureux, quoi. Et ça, tu ne peux pas acheter. L'argent n'est pas égal à bonheur et bonheur n'est pas égal à l'argent. Je crois que c'est ma dernière piste parce que le reste, je mange après. Que penses-tu des mariages entre différentes religions? Oh là là! J'espère pas qu'on va venir ta question en fait. Moi, je vais dire ce que je pense. Il y en a, ils vont pas être contents.
Maintenant qu'on est d'accord, c'est vos soucis. Moi en tout cas, ça ne me dérangerait pas de sortir avec quelqu'un qui a une autre religion que moi. Je suis chrétienne pour ceux qui ne savent pas. Pourquoi ça ne me dérangerait pas? Parce que je trouve que l'amour, quand l'amour ça vient, tu ne regardes pas beauté, tu ne regardes pas religion, tu ne regardes pas famille, tu ne regardes pas, tu vois. Si l'amour est là, il est là en fait, tu vois. Mais le bail c'est quoi? C'est que ça peut ramener cette difficulté. Mais pour moi, ça ne me dérangerait pas. Mais je peux comprendre qu'il y en a qui préfèrent vraiment de sortir avec quelqu'un de leur propre religion. Parce que voilà. Mais en tout cas, moi, ça ne me dérangerait pas. Mais bah, c'est que quand j'aurai des enfants, j'aimerais bien quoi qu'ils suivent la religion chrétienne. C'est la dernière question. C'est difficile en fait de faire un mukbang. Je ne savais pas que c'était si difficile que ça. Mais sinon, j'aime bien. Genre, moi, je suis en train de craquer les gars. Craquer. Est-ce qu'ils vont nous laisser comme ça jusqu'à juin, juillet? Mais c'est ouf, pas abusé. Je vais faire plein de choses, des femmes, plein de choses annulées. Pourquoi? Because of Miss Rona. Les gens qui sortent là, c'est à cause de les gens comme vous là, vous voyez bien vous que on devrait rester longtemps. Et j'espère vraiment qu'en mai, ils vont nous laisser dehors, sortir dehors. Parce que waouh! Donc, voilà. C'est la fin de la vidéo. Franchement, j'ai kiffé faire cette vidéo parce que voilà, je suis à l'aise, je parle un peu avec vous. Je réponds aux questions et tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Aussi, genre, comment ça, tu regardes ma vidéo et t'es pas abonné en fait? Si t'es pas abonné, t'es vraiment une meuf bizarre parce que t'es venu jusqu'ici, la fin de la vidéo, t'es pas abonné. Abonne-toi s'il te plaît. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, commenter, liker, tout ça, tout ça, tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas aimé, je m'en fous. On se dit à la prochaine. Bisous.